Bonjour, bienvenue. Nous allons attaquer le premier cours de cette année de la chaire Neurobiologie et Immunité. Et le cours de cette année va vraiment explorer comment le système immunitaire surveille le cerveau. Alors, comment est-ce que ce cours en fait, s'inscrit un petit peu dans la chaire, dans les cours passés, dans les questions ? Ah, mais c'est pas moi. J'ai cru qu'il y avait un problème. Dans les questions qu'on peut aborder dans les interactions neuro-immunitaires du cerveau. Donc, en fait, vraiment, la chaire s'intéresse à des questions qui sont centrées aussi bien sur le système nerveux que sur le système immunitaire, qui sont deux grands systèmes qui permettent vraiment d'interagir avec le monde environnant. Le monde, bien sûr... Attendez que j'allume ça. Voilà. Ah, ça ne marche pas. Bon, écoutez, je vais faire ça comme ça. Vous voyez Oui. Donc, le monde vraiment sensoriel, moteur pour le système nerveux. Et puis, un monde un petit peu différent. Le monde microbien, le monde des tissus pour le système immunitaire. Alors, on a vu au cours des deux années passées que, en fait, il existe des cellules immunitaires qui sont présentes dans le cerveau, à l'intérieur des tissus, des macrophages résidents qui s'appellent des microglies. Et on a vu également que ces microglies, il y a donc des macrophages résidents qui s'appellent microglies. Bonjour, bienvenue. Et d'autres types de macrophages qui sont présents aux bordures du cerveau, on y reviendra. Mais c'est vraiment les principales populations immunitaires qui sont présentes dans le cerveau. Et on a vu au cours des deux années passées qu'en fait, ces cellules ont une origine très précoce dans l'embryon, qu'elles sont dérivées de précurseurs qui sont générés en dehors du cerveau dans l'embryon, et qu'à l'échelle de la population, ces cellules colonisent le cerveau et se renouvellent tout au long de la vie. Ce qu'on a vu aussi, c'est que... bonjour, bienvenue, installez-vous. Ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, en fait, ces cellules immunitaires qui sont présentes dans le cerveau sont un petit peu les acteurs principaux du système immunitaire dans cet organe, parce que le cerveau est protégé par ce qui s'appelle la barrière hémato-encéphalique, et on en reparlera beaucoup, notamment dans le cours d'aujourd'hui. Et que cette barrière préserve finalement l'entrée d'un grand nombre de cellules immunitaires qui sont présentes dans la circulation sanguine, ce qui confère finalement une situation un petit peu étonnante. Ce qu'on a vu aussi, en fait, c'est que ces cellules immunitaires qui sont dans le cerveau, dont une fonction est vraiment de protéger le cerveau contre des lésions, des infections, des inflammations, donc un rôle vraiment de défense immunitaire, en fait, ont aussi un rôle physiologique d'interaction avec les neurones. D'autres cellules qu'on appelle macroglies, qui sont en fait les glies, sont toutes les cellules non neuronales qui sont présentes dans le cerveau, aussi les vaisseaux, et que donc elles ont un rôle physiologique dans le cerveau, dans les circuits, dans leur fonctionnement. Et on a vu aussi que cette interaction entre ces cellules immunitaires du cerveau et les autres acteurs cérébraux peuvent être modulés par un environnement local dans le cerveau, par exemple l'activité des neurones, mais qu'elles sont aussi modulées par d'autres types d'interactions, des signaux systémiques qui viennent du corps, l'inflammation, mais aussi par exemple le microbiote intestinal ou d'autres signaux environnementaux. Et enfin, que des dysfonctionnements des interactions entre microglies et cellules immunitaires et les autres on va dire les autres composants cellulaires du cerveau, notamment les neurones, sont associés, sont liés à des pathologies neurodéveloppementales, donc qui ont lieu au cours du développement embryonnaire, mais également à des pathologies associées au vieillissement, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, pour lesquelles on a identifié des facteurs de risque génétiques qui perturbent spécifiquement l'activité des microglies et des cellules immunitaires. Donc un lien causal établi. Donc on a vraiment vu un petit peu différentes actions des cellules immunitaires qui sont présentes dans le cerveau à différents degrés de fonctionnement des circuits cérébraux pendant le développement,
l'homéostasie, la vie adulte et aussi des phases de vieillissement. Et pendant le cours de cette année, en fait, on va s'intéresser à un aspect un petit peu différent, qui est finalement comment est-ce que cette situation assez particulière, donc une organisation du système immunitaire un petit peu particulière, influence, joue sur la manière dont le système immunitaire peut, à son tour, surveiller le cerveau et produire une réponse immunitaire adaptée en conditions physiologiques, mais également en conditions pathologiques. Et en fait, cette situation un peu particulière, c'est ce qu'on appelle le privilège immunitaire du cerveau. On va revenir sur cette terminologie. Et pourquoi un cours sur le privilège immunitaire cette année ? Parce qu'en fait, depuis le début du XXe siècle jusqu'il y a à peu près une dizaine d'années, on avait une vision assez figée de ce qu'était ce privilège immunitaire, la manière dont le système immunitaire pouvait surveiller le cerveau, ou ne pas surveiller le cerveau en tout cas, et qu'un grand nombre de travaux, de publications, principalement depuis 2015, et puis vous verrez au fur et à mesure des cours que c'est 2021, 2022, 2023, en fait, un grand nombre de publications et de travaux très récents montre que le système immunitaire surveille bien le cerveau, comme tous les autres organes du corps, mais qu'il le fait d'une manière un petit peu particulière et que l'identification de nouvelles structures, nouvelles voies d'entrée, nouvelles voies de sortie, nouveaux dialogues cellulaires identifiés ces dernières années change vraiment la manière dont on peut penser et comprendre ce processus. Alors aujourd'hui, les différents cours sur cette thématique. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de ce qu'est ce privilège immunitaire, à quoi il correspond, finalement en quoi est-ce que le cerveau est différent d'autres organes, et on va vraiment revoir des choses assez classiques. On ne va pas faire un cours d'immunologie, mais reprendre certains points précis qui peuvent expliquer pourquoi l'organisation particulière des cellules immunitaires vis-à-vis du cerveau lui confère des propriétés particulières. Et on abordera juste dans la dernière partie, finalement, des travaux récents. Et puis, au cours des trois autres cours, donc le 22 mai, le 5 juin et le 12 juin, on verra progressivement comment, justement, ces nouveaux travaux ont bouleversé notre vision. On s'intéressera aux méninges, qui est maintenant apprécié comme un nouveau site d'interaction immunitaire absolument essentiel. On parlera de la moelle osseuse du crâne, qui en fait fournit des cellules importantes pour l'immunité méningée, donc cette nouvelle zone d'interaction. Et puis le 12 juin, on s'intéressera aux interactions aux frontières du cerveau, ce qui se passe dans les méninges, mais aussi dans d'autres régions, en cas physiologique et pathologique, et comment est-ce que ces nouveaux résultats, ces nouveaux travaux, permettent de changer un petit peu notre vision de la manière dont le cerveau est surveillé. Il y aura aussi un symposium associé à ces cours le 27 juin. Donc là, le symposium sera en anglais. C'est un symposium qui est plutôt dédié à des spécialistes du domaine. « How the immune system dialogues with the brain ». Et on aura des speakers internationaux absolument exceptionnels. On aura la chance d'avoir Yuki Hattori, Stacy Bilbo, Joseph Priller, Soyun Hong, Kiavesh Mohavedi, Alexandra Devkopsa et Yoni Kipnis, donc pour un symposium qui aura lieu sur la journée. Donc sans plus attendre, on va commencer vraiment par voir ce qu'on va aborder pendant ce premier cours, où vraiment on va reposer un petit peu les bases et essayer, sans aller dans trop de détails, mais d'exposer des principes, des critères, des caractères qui sont spécifiques au cerveau et puis qui permettent de comprendre en fait pourquoi et comment est-ce qu'il est surveillé différemment. Donc pour comprendre comment il est surveillé différemment, on va tout d'abord s'intéresser à la manière dont la surveillance immunitaire se fait ailleurs, pour essayer de voir un petit peu dans les tissus comment ça se passe, pour introduire certains types cellulaires, certaines voies d'arrivée, certaines voies de sortie, différents systèmes. On verra ensuite que le privilège immunitaire, tel qu'il a été défini il y a assez longtemps maintenant, en fait est une question d'anatomie.
c'est-à-dire une séparation avec différentes organisations. Et on verra en troisième point justement les différentes barrières qui limitent l'entrée de cellules circulantes, cellules unitaires présentes dans la circulation sanguine et qui confèrent une particularité au cerveau. Et puis on commencera à la fin du cours, comme je le disais, à aborder des nouveaux développements qui ont été vraiment identifiés récemment, il y a une dizaine d'années, sur la manière dont le cerveau gère, on va dire, ses fluides, les fluides interstitiels, et parler d'un système qui a été nommé système glymphatique, dont on verra exactement en quoi il consiste. Voilà, c'est le menu. Donc on va commencer par ce qu'est le privilège immunitaire avant de commencer à regarder comment est-ce que la surveillance immunitaire se passe dans d'autres tissus. Alors ce qu'on a appelé le privilège immunitaire, et ce terme a vraiment été, on va dire, popularisé, trouvé par Sir Peter Medawar dans les années 40-50, mais en fait, il était connu depuis le début du XXe siècle. En fait, il est issu au départ d'expériences de transplantation. Donc en fait, vous le savez sûrement, quand par exemple on fait une transplantation, une greffe de peau entre deux individus différents, cette greffe de peau est très rapidement rejetée. Et donc en fait, différents expérimentateurs, bien sûr dans des modèles animaux, il y a quelques places encore si vous voulez vous installer, vous asseoir. Donc des greffes qui ont été réalisées dans des modèles expérimentaux, des greffes au départ de peau dans le cerveau ou d'ailleurs dans l'œil, en fait, on a observé qu'elles n'étaient pas rejetées rapidement. Donc une tolérance, finalement, à une transplantation d'un autre tissu qui montrait que le cerveau était un organe qui n'avait pas des capacités, on va dire, de rejet immunitaire d'un tissu transplanté. Donc dès ces premières années, dès ces premiers travaux, l'idée que le cerveau est un organe qui est peu surveillé sur le plan immunitaire, qui est un petit peu particulier. Et ce qu'il faut souligner quand même, c'est que même à l'époque de ces travaux, on savait que ce n'était pas complètement vrai, puisque si les transplantations étaient faites dans des régions un petit peu différentes du cerveau, par exemple près de cavités qui sont présentes dans le cerveau, qu'on appelle des cavités ventriculaires, le tissu était rejeté beaucoup plus vite. Ou que si on faisait une greffe de peau dans le cerveau, mais qu'on faisait en même temps une greffe de peau dans la peau, la greffe du cerveau était rejetée. Donc il y avait quand même l'idée qu'il y avait une surveillance immunitaire, qu'il y avait un dialogue entre le cerveau et la périphérie, mais probablement un système assez inefficace, ce qui a ensuite été développé comme étant cette notion de privilège immunitaire. Alors on sait, avec la biologie moderne, ou ce qui a été en tout cas bien développé, on a identifié les cellules responsables, donc l'idée qu'effectivement il existait une espèce de dissociation entre la périphérie, des cellules immunitaires circulantes dans le sang, et le système immunitaire présent dans le cerveau, par cette barrière. Alors je voudrais juste préciser pourquoi s'intéresser finalement à la surveillance immunitaire dans d'autres tissus pour comprendre en quoi le cerveau est différent. Donc le privilège, c'est un droit, un avantage particulier accordé à un individu ou à une collectivité en dehors de la loi commune. Et c'est un avantage, ça on va voir si c'est le cas, si c'est un avantage, ou une faveur que donne quelque chose. Donc peut-être que le terme « privilège » n'est pas très bien choisi par rapport à ce dernier point, mais en tout cas, effectivement, c'est une région qui est particulière. Je tiens à ajouter que cette notion de privilège immunitaire n'est pas restreinte au cerveau. Je disais, l'œil également fait partie, et puis, de manière plus générale, en fait, une partie de l'œil, en fait, est considérée comme faisant partie du cerveau, mais par exemple, il y a aussi les testicules. Il y a d'autres endroits, d'autres sites qui sont des domaines privilégiés ou en tout cas différents sur le plan immunitaire. Alors, la surveillance des tissus, la surveillance immunitaire,
Finalement, c'est un concept qui est extrêmement compliqué. Qu'est-ce que la surveillance immunitaire? Comment est-ce que le système immunitaire surveille les tissus, permet de répondre? C'est un complexe, c'est un concept tellement compliqué et, on va dire, ouvert à débat que si vous êtes intéressé, je vous conseillerais de consulter les cours de Philippe Kourilski, qui a tenu la chaire d'immunologie moléculaire, ici même au Collège de France, mais les immunologistes ont vraiment une idée assez pointue de ce que peut être cette idée. Ce que je voudrais souligner, moi, c'est que cette surveillance immunitaire, souvent, on l'envisage comme une surveillance par rapport à des pathogènes ou par rapport à des infections, et qu'en fait, la notion de surveillance immunitaire a émergé très tôt. Dès les travaux de Paul Ehrlich, donc au tournant du XXe siècle, où finalement il disait que dans la trajectoire compliquée, extrêmement compliquée, du développement fœtal et post-fœtal, il devait y avoir des cellules aberrantes qui étaient générées, et que de manière assez fortunée, il devait y avoir chez la majorité des gens un système de sélection positive pour éliminer ou en tout cas ne faire que ces cellules ne soient pas dommageables. Et donc il avait déjà l'idée que cette fonction devait être assurée par le système immunitaire et donc éliminer ou réguler la présence de cellules anormales. Donc l'idée que le système immunitaire finalement puisse patrouiller, surveiller absolument tous les tissus. Et puis cette notion a été étendue, notamment par les travaux de Lewis Thomas et McFarlane Burnett, notamment McFarlane Burnett qui s'est intéressé à la notion de soi et de non-soi, et en lien avec la réaction de l'organisme à des tumeurs. Et donc en fait, il disait que pour lui, ce n'était pas inconcevable qu'une petite accumulation de cellules tumorales puisse se développer et produire une nouvelle réponse antigénique. Donc on verra ce que c'est, mais c'est une réaction qui induit une réponse immunitaire, et que ça puisse avoir un effet positif en ce sens que cela puisse permettre, dans certains cas, la régression de la tumeur et finalement pas de développement clinique. Donc dans des contextes qui sont non liés vraiment aux infections, aux bactéries, aux virus, des immunologistes très tôt ont proposé, à juste titre, que le système immunitaire était vraiment important pour surveiller tous les tissus et éliminer, réguler des cellules qui pouvaient être anormales ou causer du tort, entre guillemets, aux différents tissus. Alors avant de s'embarquer dans le cerveau, on va vraiment voir un rappel rapide des différentes grandes fonctions immunitaires et de comment elles régissent l'immunité dans les tissus. Donc il y a vraiment, on peut distinguer deux grands systèmes immunitaires, deux grandes réponses immunitaires. L'immunité qu'on appelle innée, qui est importante pour les premières phases de réponse immunitaire, aussi bien à une infection, à un virus qu'à d'autres processus, et une réponse adaptative, qui, contrairement à l'immunité innée, qui n'est pas vraiment spécifique des agents infectieux ou des dommages qui sont causés, la réponse adaptative, elle, est spécifique, mais elle est beaucoup plus lente. Donc on a vraiment un dialogue entre deux types d'immunité qui vont permettre une réponse immunitaire appropriée. Alors les principes de l'immunité innée, encore une fois, je vais présenter ça de manière très sommaire, voire simpliste, voire parfois un petit peu fausse. J'espère que vous me le pardonnerez, mais c'est vraiment pour présenter des éléments qui vont être importants par la suite. Donc les principes de l'immunité innée, ici on a une cellule de l'immunité innée, on verra quel type de cellule ça peut être, ont des récepteurs qui leur permettent de reconnaître des bactéries, certains virus, différents agents. Et ces récepteurs sont invariants. Par exemple, on a des récepteurs qui sont capables de reconnaître des composés présents dans les membranes des bactéries. Ils ont d'autres récepteurs qui, eux, sont capables de reconnaître ce qu'on appelle des signaux de danger. Donc ça peut être, par exemple, la présence d'ADN ou d'ARN qui ne sont pas présents normalement
dans l'environnement de la cellule, mais qui peuvent être liées à la présence de cellules endommagées, ou alors des composés qui sont à l'intérieur de la membrane cellulaire normalement, comme les phosphatidylsérines, et qui sont exposés quand on a, là encore, des cellules endommagées. Et donc, tous ces différents récepteurs, ici, permettent de reconnaître de manière invariante différents signaux, et il y a aussi des récepteurs intracellulaires que je ne détaillerai pas. Et ça, ça permet d'activer une réponse qui va conduire à la production de différents facteurs, des cytokines, des interférons, qui sont très importants en cas d'infection virale, et globalement, à une inflammation. Alors, ce qui est important, c'est que de savoir, c'est que si ces récepteurs sont présents à la surface de ces cellules spécialisées de l'immunité innée, en fait, ce type de récepteurs qui activent des cascades maintenant qu'on a bien décrites sont aussi présentes sur une grande partie des cellules du corps qui ne sont pas des cellules immunitaires et qui sont donc capables de contribuer également à l'immunité innée. Et puis, une autre capacité de ces cellules de l'immunité innée, c'est la phagocytose, c'est-à-dire de manger, on va dire ça comme ça, de manger, de phagocyter, d'intégrer à l'intérieur de ces petites vésicules qui sont des lysosomes qui vont permettre de dégrader les composés, notamment ici les bactéries, et donc de les réduire en petits fragments. Et donc ça, ça permet d'éliminer les agents bactériens ou tous les autres composés qui peuvent être dommageables, et ça permet donc de les éliminer. On verra que ça a une autre fonction également. Donc l'immunité innée, des récepteurs qui sont, on va dire, figés, qui vont reconnaître différents acteurs et qui sont en première ligne de la réponse immunitaire, qui sont vraiment activés tout de suite. D'autre part, l'immunité adaptative et les principaux acteurs cellulaires de l'immunité adaptative, ce sont les lymphocytes, autrement appelés leucocytes ou globules blancs, qui sont donc dans la circulation sanguine. Les précurseurs sont présents dans la moelle osseuse et on va dire que cette réponse immunitaire adaptative dépend d'un processus assez remarquable que je vais rapidement présenter, qui est d'une part une expansion et une prolifération de ces cellules, et puis la génération de tout un répertoire de cellules qui vont reconnaître, qui vont avoir la capacité de reconnaître de manière aléatoire des composés présents. Et c'est ce qui va permettre ce qu'on appelle la réponse antigénique, c'est-à-dire qu'il va y avoir... Comme là, il y a 4 cellules, mais en fait, le nombre de cellules produites est extrêmement large. On verra sur quoi ce processus repose. On va être capable de reconnaître ce qu'on appelle des antigènes, c'est-à-dire des petits fragments de molécules qui vont induire une réponse immunitaire, étant reconnus comme du non-soi, et produire une réponse immunitaire spécifique. Donc, quand un lymphocyte reconnaît un antigène particulier, on a ce qu'on appelle une expansion clonale. Et c'est vraiment ces lymphocytes, on verra qu'il y a plusieurs types de lymphocytes, qui vont être responsables des fonctions effectrices du système immunitaire adaptatif. Ce qui est important aussi, c'est que c'est ce qui va permettre un processus de mémorisation, puisqu'en fait, on va garder quelques types de ces lymphocytes qui ont rencontré un premier antigène. Et si ce même antigène est représenté, on va avoir une amplification beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide. Et c'est ce processus de mémoire qui est à la base du processus de vaccination, qui permet, quand un antigène est présent, de réactiver ces cellules. Donc, deux types de processus très différents. Cette immunité adaptative est assez récente sur le plan évolutif, contrairement à l'immunité innée. Donc, c'est à peu près 500 millions. Donc, il a apparu il y a à peu près 500 millions d'années, alors que les bactéries, c'est 5 milliards d'années. Donc, l'immunité innée est quelque chose qui est, entre guillemets, beaucoup plus ancestral. Alors, ce processus de diversification des lymphocytes, et là, je vais juste préciser qu'il existe ce qu'on appelle des lymphocytes T qui vont être capables de produire une réaction cellulaire et des lymphocytes B qui, eux, vont être responsables de produire les anticorps qu'on va retrouver dans la circulation sanguine. Et ces deux types de lymphocytes, s'ils sont très différents et ils ont des récepteurs différents, en fait,
la génération de la diversité de ces récepteurs est vraiment contrôlée par un processus assez similaire, qui est un processus de recombinaison génétique aléatoire, qui va permettre de produire vraiment un panel de récepteurs capables de reconnaître, en théorie, jusqu'à 10 puissance 15 différents types d'antigènes. Donc c'est un système assez remarquable qui permet de générer un très très grand panel, une très très grande diversité de reconnaissance de différents antigènes. Et encore une fois, c'est vraiment à la base de la fonction effectrice du système immunitaire inné, adaptatif, sans système immunitaire adaptatif. En fait, il n'y a pas de vie ou de survie possible. Les mutations extrêmement fortes dans ce système adaptatif, c'est des pathologies qu'on observe chez les enfants bulles qui doivent être isolés ou traités pour pouvoir avoir une vie sans être dans un environnement stérile. Alors ça pose un problème qui est que si tous les récepteurs sont générés de manière complètement aléatoire, comment est-ce que ce système immunitaire, finalement, n'attaque pas de manière aléatoire les composés du corps? Et donc, en fait, pour répondre à cette question, là encore, il y a beaucoup de théories différentes. Le concept de soi, de sélection, de théorie du danger, de tolérance, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais lorsque un clone reconnaît ce que l'on appelle un auto-antigène, c'est-à-dire un antigène qui est produit par une cellule de l'individu, ce clone est éliminé et donc, a priori, on n'a pas de lymphocytes qui vont reconnaître des composés que l'on dit associés au soi. Donc, ce processus se produit tôt dans différents organes, on y reviendra, et ça permet également, ça pose aussi la question finalement de la régulation de cette immunité adaptative, parce que si cette immunité adaptative, entre guillemets, est mal contrôlée et qu'on commence à reconnaître des antigènes du soi, ça peut conduire à ce qu'on appelle de manière générique des maladies auto-immunes. Et à l'inverse, si cette élimination, cette modulation est trop lâche, entre guillemets, on va avoir des phénomènes de tolérance où le système immunitaire ne va pas être véritablement effectif. Donc cette balance, cette modulation d'activation du système immunitaire adaptatif est absolument essentielle ou vraiment importante pour bien réguler la manière dont le système immunitaire peut agir et moduler tous ces facteurs. Donc je vous ai dit, une immunité innée, non spécifique, une immunité très rapide, une immunité adaptative, beaucoup plus lente mais spécifique, basée sur une recombinaison importante, génération d'un grand nombre de récepteurs qui peuvent reconnaître de manière aléatoire différents antigènes. Ceux qui reconnaissent des auto-antigènes sont éliminés. Mais il existe aussi, et ça c'est quelque chose qui est très important par rapport à la surveillance du cerveau, il existe aussi un dialogue absolument vital ou très important entre ces deux grands systèmes pour que tout cela fonctionne. Donc l'immunité adaptative, qui est supportée par les lymphocytes B qui produisent les anticorps ou des lymphocytes T qui, eux, ont des récepteurs cellulaires, et l'immunité innée, qui, en fait, est incarnée par une grande collection, une grande variété de types cellulaires. Mais je vais surtout, pendant ces cours, vous parler de macrophages. Les microglies sont des macrophages résidents du cerveau, ou des cellules dendritiques, qui sont en fait des cellules également qui sont très importantes dans le dialogue avec l'immunité adaptative. Parce qu'en fait, il existe un dialogue absolument nécessaire entre ces deux grands systèmes. D'abord, les cytokines et les anticorps produits par l'immunité adaptative vont moduler la capacité des cellules du système immunitaire inné à agir. Mais d'autre part, et c'est ce point qui est très important, c'est que les cellules de l'immunité innée vont être absolument essentielles pour produire des cytokines, de l'interféron, comme je l'ai dit, et activer l'inflammation, recruter les cellules de l'immunité adaptative, mais elles vont être essentielles pour un processus qui est la présentation des antigènes. Alors, qu'est-ce que c'est que la présentation des antigènes? Et là, je vais vous présenter quelque chose de schématique, mais je pense qu'il est important.
Donc je vous ai dit que les lymphocytes, donc ça c'est un lymphocyte générique, ça peut être un lymphocyte B, un lymphocyte T, reconnaissent les antigènes et que c'est cette activation des lymphocytes qui va permettre une réponse immunitaire adaptative. Mais en fait, les lymphocytes ne peuvent pas reconnaître les antigènes tout seuls. Et quelque part, c'est une mesure de précaution essentielle. Il y a une grande modulation de l'activation des lymphocytes qui permet justement que le système ne s'emballe pas, qu'on n'ait pas une activation du système adaptatif, on va dire, dérégulée ou trop forte. Et un des processus, je vais juste parler de celui-là, mais il y a tout un processus de co-stimulation qui implique plusieurs types de cellules, mais un des processus est la présentation des antigènes. Donc en fait, ces antigènes, qui encore une fois peuvent être des morceaux de virus, qui peuvent être des morceaux de cellules infectées, qui peuvent être aussi différents types de composés qui sont reconnus comme étant du non-soi ou des signaux de danger, doivent en fait être présentés aux lymphocytes. Et pour cela, ils sont présentés sur un récepteur ou un composé particulier qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité, MHC en anglais, Major Histocompatibility Complex, ou HLA chez l'homme. Et donc, en fait, je vous ai dit que ces cellules sont capables de digérer des petits fragments, et en fait, ces petits fragments sont ensuite disposés, présentés à la surface, en lien avec ces complexes majeurs d'histocompatibilité, et c'est une étape absolument nécessaire à l'activation de l'immunité adaptative et des lymphocytes. Alors, les complexes majeurs d'histocompatibilité, il y en a de plusieurs sortes ou de plusieurs, on va dire, saveurs. Donc, il y en a effectivement qui sont portés par les cellules de l'immunité innée, mais toutes les cellules présentent des complexes majeurs d'histocompatibilité de type 1. Et c'est d'ailleurs ce qui est à la base du rejet. Dans un contexte de greffe, c'est ce qui permet aux lymphocytes et aux cellules immunitaires de reconnaître un tissu transplanté comme étant du non-soi. C'est pour ça aussi que quand on fait des transplantations ou des greffes de moelle osseuse, c'est une procédure maintenant qui permet de sauver énormément de patients atteints de leucémie, on doit regarder, trier, évaluer justement les différents phénotypes de ces complexes majeurs d'histocompatibilité pour voir si ça permet de permettre une transplantation. C'est un petit peu l'équivalent d'un groupe sanguin pour les cellules rouges du sang, mais cette fois-ci sur les tissus. Et donc, dans ce cas-là, quand on a un donneur, une transplantation, des cellules de ce donneur vont être présentées et on va avoir rejet de la greffe. Ce qui est aussi important, c'est de savoir encore une fois que dans des contextes de tumeur, on peut avoir des cellules tumorales qui vont devenir anormales et qui vont se mettre à générer, à produire ce que l'on appelle des néo-antigènes, c'est-à-dire des antigènes nouvellement formés, qui peuvent être reconnus par le système immunitaire et conduire à une activation immunitaire. Et en fait, c'est ce processus que l'on essaye de booster ou de favoriser dans des traitements d'immunothérapie qui sont de plus en plus utilisés dans différents types de cancers pour essayer de stimuler la réponse immunitaire qu'on peut avoir en réponse à la formation de ces néo-antigènes dans un contexte de traitement de différents types de cancers. Donc sur un plan cellulaire, encore une fois, c'est quelque chose qui est simplifié. Il y a plusieurs types de cellules, il y a des co-stimulations, il y a d'autres facteurs impliqués, mais cette présentation d'antigènes entre des cellules de l'immunité innée et des cellules de l'immunité adaptative est absolument essentielle pour déclencher une bonne réponse immunitaire adaptative. Et alors ça pose un problème ou une question qui est finalement où, quand, comment ces types de cellules ou ces cellules se rencontrent et dialoguent. Parce que je vous l'ai dit au départ, les lymphocytes, leucocytes ou globules blancs, c'est toujours la même terminologie, c'est des cellules qui sont dans le sang, dans la circulation sanguine. Et donc à quel endroit, où peut se faire ce dialogue, cette reconnaissance, cette activation? Alors elle peut se faire dans les tissus,
Elle peut se faire dans les tissus, dans certains tissus, mais elle se fait principalement dans des organes qui sont distribués dans le corps et qu'on appelle des ganglions lymphatiques ou des organes lymphoïdes secondaires. Donc les ganglions lymphatiques, vous en avez probablement tous entendu parler, c'est des ganglions qui sont disséminés dans le corps. Et on va voir que ça pose la question, finalement, cette question de la présentation des antigènes, ça va nous amener vraiment à essayer de comprendre par quelle voie, par quel tuyau, pratiquement, par quel système d'organisation au niveau du corps, les cellules se déplacent, trafiquent pour se retrouver et dialoguer dans ces ganglions lymphatiques. Alors, il y a deux voies principales quand même d'arrivée de ces antigènes dans les ganglions lymphatiques. Il y a ce qu'on appelle une voie humorale, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que les antigènes arrivent tout seuls dans ces ganglions lymphatiques. Il y a les deux types de cellules. Celles-ci vont les manger, entre guillemets, et les présenter. Et on a aussi une autre voie, qui est une voie finalement où ces cellules vont aller récupérer des antigènes dans les tissus, arriver dans les ganglions lymphatiques et les présenter. Alors schématiquement, dans la peau, comment ça se passe? On a ici, par exemple, un antigène. On a une cellule de l'immunité innée qui va capter cet antigène, qui va migrer jusque des ganglions lymphatiques. Ici, on va avoir une présentation entre cette cellule et des lymphocytes, B et T. Et ici, c'est juste pour vous représenter que c'est une véritable interaction physique. J'en parlerai pas beaucoup, mais ici, c'est une cellule dendritique qui a été générée in vitro en interaction avec un lymphocyte T. Il y a un vrai dialogue, un vrai contact cellulaire important et nécessaire entre ces deux grandes classes de cellules. Et puis, cette présentation va vraiment déclencher une activation des lymphocytes B et des lymphocytes T qui vont ensuite être produits, soit vont faire des anticorps pour les lymphocytes B, soit des cellules qui vont circuler, qui vont aller dans les tissus. Et donc ça pose la question plus générale de comment est-ce que toutes ces cellules trafiquent et se déplacent. Donc si on revient à la génération des différents types cellulaires, une grande partie des cellules du sang, dont les lymphocytes, sont générés, produits dans la moelle osseuse. C'est pour ça qu'on fait des greffes de moelle osseuse dans des contextes de leucémie. Ça va permettre de repopuler, complètement reconstruire le pool des cellules immunitaires. Et puis, elles maturent dans différents organes, pour les lymphocytes B dans la moelle osseuse, pour les lymphocytes T dans un autre organe qui s'appelle le thymus. Et ces cellules vont aller dans les tissus, vont être arriver dans les tissus via la circulation sanguine, les vaisseaux sanguins. Et elles vont ensuite repartir de tous ces tissus par un autre système de vaisseaux que je vais un petit peu vous présenter, qu'on appelle les vaisseaux lymphatiques. Et justement, elles vont arriver, ça va leur permettre d'arriver dans ces fameux ganglions lymphatiques où la présentation d'antigènes a lieu. Donc en fait, pour comprendre un petit peu comment la surveillance immunitaire se passe, il faut qu'on voit finalement toute cette tuyauterie, cette perfusion de différents, on va dire, de différents tuyaux. Là encore, on est dans de la tuyauterie pour essayer de comprendre ce qui se passe en général et pourquoi le cerveau est un petit peu différent. Donc, comme vous le savez, le système vasculaire, donc il passe par la circulation sanguine, le cœur. Donc, on a du sang qui est chargé d'oxygène, qui va perfuser tous les tissus. Ça va être essentiel pour amener l'oxygène dans les tissus, mais aussi tous les autres nutriments qui sont essentiels au bon fonctionnement de tous les organes. Et en fait, ces artères vont former des réseaux extrêmement fins dans l'organe de ce qu'on appelle des capillaires. C'est à cet endroit-là qu'il va y avoir diffusion de l'oxygène et aussi des lestages, entre guillemets, on va dire, de nutriments. Et puis que ces vaisseaux qui sont maintenant dépourvus d'oxygène et de nutriments vont rejoindre le système veineux qui va repasser par le cœur, les poumons, etc. Et en fait, il existe un espèce de système parallèle à ce système d'entrée qu'on peut considérer comme étant un petit peu comme image. Je ne veux pas attaquer le système lymphatique, mais
finalement, c'est un peu des égouts. Donc, un système parallèle de vaisseaux qui perfuse tous les tissus et qui va drainer, finalement, un tas de choses, des toxines, des molécules qui peuvent être dommageables pour les tissus, ce qu'on appelle aussi du liquide interstitiel qui est présent dans tous les tissus et qui est hautement régulé. Et c'est ces réseaux lymphatiques, ce réseau lymphatique qui lui aussi perfuse vraiment l'ensemble des tissus, va être collecté. Donc ça permet, encore une fois, ce système de perfusion va permettre d'amener des fluides, des macromolécules, de l'oxygène bien sûr, mais aussi des cellules immunitaires. Et on a ce système d'égout, système lymphatique, qui permet ensuite d'amener différents composés, par exemple des antigènes, mais aussi, on verra, des cellules immunitaires, jusqu'à ces structures qui s'appellent des ganglions lymphatiques. Et c'est dans ces ganglions lymphatiques qu'on va avoir de manière majoritaire la présentation d'antigènes et l'activation d'une réponse immunitaire adaptative, avec, comme vous le pouvez voir ici, des zones qui sont plus dédiées aux cellules B, des zones qui sont aux lymphocytes B, des zones qui sont plus dédiées aux lymphocytes T, etc., et qui vont permettre donc une réaction à cet endroit-là. Et c'est aussi dans ces ganglions lymphatiques qu'on va retrouver des lymphocytes mémoire. Alors, il y a un vrai réseau lymphatique, comme il y a un réseau de circulation sanguine, et on a des ganglions lymphatiques qui sont situés à différentes régions du corps et qui sont essentiels donc pour cet aspect de surveillance. Comme vous le voyez hein, ici, on y reviendra, mais il n'y en a pas dans le cerveau, ce qui pose un petit problème. Donc toute une série de ganglions et de systèmes et de vaisseaux lymphatiques. Alors le système lymphatique, vous devez aussi le savoir, finalement, il assure cette espèce de double fonction, qui est une fonction de drainage, donc d'éliminer des fluides, des toxines, un petit peu tout ce qui sort des tissus, et également justement des cellules immunitaires, de l'immunité innée. Alors des défauts du système lymphatique, ben, ça va créer des œdèmes. Ça c'est quelque chose qu'on connaît bien. On va avoir une accumulation de liquide interstitiel dans certaines régions. On a donc, comme je le disais, une sortie de différents antigènes, mais de propagation de virus aussi, ou de différentes cellules de l'immunité innée. Et puis, et ça c'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, c'est aussi un système qui permet la propagation des métastases. C'est pour ça que dans certains cas, notamment dans les cas de cancer du sein, on prélève des ganglions de la chaîne lymphatique qui est située sur le côté du corps pour aller regarder s'il y a des métastases présentes dans ces ganglions, parce que ça permet d'avoir une indication indirecte de s'il y a eu déjà propagation des différentes métastases. Donc un système d'égout, de canalisation, qui, au-delà d'un rôle de drainage, qui est quand même très important, est aussi essentiel pour vraiment le trafic, le mouvement des cellules immunitaires, et qui va permettre, à un moment donné, d'avoir toutes ces cellules présentes dans les ganglions lymphatiques et l'activation d'une immunité adaptative. Donc on peut résumer ça sur ce type de schéma. Les cellules, les fluides, l'oxygène, les nutriments et les cellules immunitaires sont apportés par la circulation sanguine et vont trafiquer dans le tissu et tout ça va repartir dans ce système qu'on peut considérer un petit peu comme des égouts et qui va permettre ensuite le drainage des tissus, donc du liquide interstitiel qui va pouvoir être éliminé, véhiculé avec les macromolécules qu'il contient, mais aussi une canalisation qui permet aux antigènes et aux cellules de l'immunité innée d'arriver jusqu'au ganglion lymphatique. Donc c'est comme ça que ça se passe, à peu près dans beaucoup, on va dire, de tissus, et c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans le cerveau. Donc on va voir un petit peu pourquoi. Mais c'est au départ une question d'anatomie. Donc je vous ai dit, la présentation des antigènes est quelque chose de très important pour la surveillance et donc un dialogue entre ces deux types de cellules.
Or, comme je vous le disais, dans le cerveau, on a des microglies, des macrophages, on n'a pas ces cellules immunitaires circulantes qui peuvent rentrer. On reviendra sur les raisons des absences de ces cellules à cause de cette barrière, herbarrière hémato-encéphalique. Donc déjà, ça pose un problème qui est finalement comment se fait le dialogue entre les cellules de l'immunité innée et de l'immunité adaptative. Comment est-ce que le système immunitaire peut surveiller ce qui se passe à l'intérieur du cerveau? Donc en fait, s'il n'y a pas de cellules de la circulation sanguine, de lymphocyte B, de lymphocyte T en conditions physiologiques dans le cerveau, c'est parce qu'il existe un grand nombre de barrières sur lesquelles on reviendra et qui font que le système nerveux est, encore une fois, derrière différentes barrières qui empêchent l'entrée de ces cellules immunitaires. Donc il n'y a pas, en conditions physiologiques, de ces cellules de l'immunité adaptative. Et puis une autre particularité quand même très forte du cerveau, c'est qu'il n'y a pas de système lymphatique. Donc on se retrouve avec des spécificités vraiment anatomiques de cette région qui posent des questions sur finalement comment est-ce que ça peut bien se passer. Donc on va voir un petit peu les différentes barrières, on va voir aussi que il existe un système qui permet quand même un petit peu de drainage. Alors, les différentes barrières. Les différentes barrières, pour ça, il faut s'intéresser à la vasculature du cerveau. Alors, le cerveau est un organe qui a besoin d'énormément d'oxygène, d'énergie, donc qui est extrêmement bien perfusé. Ici, sur ces très belles images réalisées par Nicolas Régnier, on voit chez la souris toute une série d'artères et de veines qui sont présentes dans la vasculature. Et si on regarde vraiment, encore une fois, à l'échelle de la reconstruction globale de ces vaisseaux, on peut voir que la moindre petite région du cerveau est excessivement bien perfusée. Et d'ailleurs, en cas d'attaque cérébrale vasculaire ou de rupture d'anévrisme, l'absence d'arrivée même transitoire de la circulation sanguine, de l'oxygène, des nutriments qu'elle apporte, peut avoir des vraies conséquences délétères sur le tissu et sur la survie des neurones. Donc un besoin d'une perfusion extrêmement importante. On peut maintenant distinguer les artères, les veines, les capillaires. Et quand je parlais de barrière hémato-encéphalique, c'est quelque chose qu'on a pu identifier très tôt quand on injecte certains composés dans la circulation sanguine, comme par exemple un colorant qui s'appelle l'Evans Blue. Tous les différents types d'organes sont colorés, ce qui montre que le colorant rentre dans ces tissus. Et quand on regarde le cerveau, ici chez l'animal, on voit qu'il ne rentre absolument pas. Donc, en dehors de limiter l'entrée des cellules immunitaires dans le tissu cérébral, cette barrière régule l'entrée, finalement, d'un grand nombre de composés de différentes tailles, de différentes natures, et l'existence de cette barrière qui confère une grande protection au cerveau, qui est un organe fragile parce qu'il a une très faible capacité à se réparer lui-même. Mais cette barrière est aussi finalement un grand enjeu pour l'industrie pharmaceutique parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui n'arrivent pas à passer ou à franchir cette barrière et à atteindre les neurones dans des contextes de pathologie. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette barrière? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la particularité finalement des vaisseaux dans le cerveau? Donc, une première chose, c'est qu'en fait, les vaisseaux sont formés par ce qu'on appelle des cellules endothéliales, qui vont faire un tube et qui donc forment vraiment le corps des vaisseaux. Et en fait, ces différentes cellules sont reliées par ce qu'on appelle des jonctions serrées, qui vont empêcher le passage de tout un tas de composés. Donc, il va falloir qu'il y ait des transporteurs dédiés pour que certains composés passent. Et puis, la vasculature du cerveau est dénuée de certains récepteurs qui permettent aux lymphocytes qui trafiquent dans la circulation sanguine de s'accrocher et de traverser la barrière vasculaire, un processus qu'on appelle l'extravasation. Donc en fait, comme il n'y a pas de récepteur, les cellules passent dans ces vaisseaux, ne s'accrochent pas au niveau des cellules endothéliales et ne peuvent même pas initier ce processus d'entrée dans les tissus qu'elles font de manière habituelle dans les différents autres organes.
Ensuite, il existe à l'intérieur du cerveau ou à la surface tout un tas d'acteurs, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer, qui permettent de réguler ces différents composés. Donc on a les artères ici, et puis là ça représente un capillaire. Donc les artères, c'est les gros vaisseaux qui amènent la circulation sanguine, et les capillaires, ce sont des domaines beaucoup plus, des vaisseaux beaucoup plus fins qui perfusent véritablement le tissu. Donc au niveau de ces artères, on va se retrouver avec ici des cellules musculaires lisses qui permettent la contractilité des vaisseaux, et on va avoir un espace périvasculaire ici qu'on appelle l'espace de Virchow-Robin, qui est un espace périvasculaire dans lequel il va y avoir des fluides qui peuvent être détectés. Et puis on a des macrophages qui sont présents ici, PVM, pour, en anglais Perivascular Macrophages, mais des macrophages périvasculaires qui sont présents à cet endroit. Et de manière importante, tout ça est tapissé par des pieds ou des prolongements de cellules du cerveau qui ne sont pas des neurones, qui sont des cellules gliales, qu'on appelle astrocytes, qui jouent un rôle clé aussi bien dans la régulation des nutriments, de la concentration ionique, mais aussi la modulation de l'activité neuronale. Donc ces astrocytes, ce qu'on appelle ces pieds astrocytaires, forment un continuum le long des vaisseaux et forment ce que l'on appelle la glia limitans et vont réguler en fait également la perméabilité de cette barrière hémato-encéphalique. On retrouve au niveau des capillaires de la même manière ces pieds astrocytaires. Là, il n'y a pas de cellules musculaires lisses, mais il y a d'autres cellules qui s'appellent les péricytes. Et on va retrouver ces pieds astrocytaires qui forment ce qu'on appelle cette glia limitans, donc un continuum autour des vaisseaux qui va réguler les propriétés de la barrière hémato-encéphalique. Et cette espèce d'ensemble, c'est ce qu'on appelle l'unité neurovasculaire qui peut être modulée en fonction de l'activité électrique des neurones, permettre l'afflux plus ou moins d'oxygène, de dilatation, vasodilatation, etc. Donc une organisation cellulaire assez compliquée, mais qui permet d'avoir un système de perfusion des tissus sans permettre l'entrée, encore une fois, des cellules immunitaires circulantes à l'intérieur du cerveau. Donc si on veut résumer, on a des vaisseaux à l'intérieur du cerveau qui sont recouverts d'autres cellules, on a aussi du liquide dans cet espace périvasculaire, et tout autour, cette glia limitans formée par des astrocytes qui va moduler cette unité neurovasculaire, cette barrière hémato-encéphalique. Et ici, en vert, les lymphocytes ne peuvent pas rentrer, pénétrer en conditions physiologiques à l'intérieur du tissu cérébral. Donc ça, c'est une grosse barrière, entre guillemets, c'est les vaisseaux qui perfusent tout le tissu et qui vont justement ne pas permettre l'entrée de cellules immunitaires. Il en existe d'autres, et notamment une importante sur laquelle on reviendra, qui est les méninges, qui sont une autre barrière formée par les méninges. Alors les méninges, qu'est-ce que c'est ? Les méninges, c'est une enveloppe, c'est trois couches d'organisations différentes qui sont situées entre le crâne, situé ici sous la peau du cuir chevelu, donc entre le crâne et le cerveau lui-même. Et ces différentes couches ont des propriétés très différentes. On a ce qu'on appelle, alors ici en anglais, dura ou la durmère, qui est un ensemble de couches extrêmement dures, d'où son nom, qui est formé par une structure rigide assez particulière. On a ensuite une structure beaucoup plus, on va dire, qui a un aspect très différent qui s'appelle l'arachnoïde, avec en dessous un espace que l'on appelle sous-arachnoïdien ou SAS, et un petit peu donc cette espèce d'espace filandreux ici, et en dessous ici on a vraiment une membrane qui elle est collée complètement au cerveau, qu'on appelle la pia ou en français la pimère. Donc la durmère, l'arachnoïde, l'espace sous-arachnoïdien, la pimère et le cerveau. Et juste pour introduire quelques termes qui vont peut-être revenir, donc la durmère ici, et
cet ensemble arachnoïde, espace sous-arachnoïdien et pimère, il peut être appelé souvent leptoméninge. C'est un ensemble un petit peu plus, un petit peu différent, avec une structure différente. Donc c'est vraiment l'enveloppe du cerveau, qui elle aussi va jouer un rôle essentiel de barrière, de protection face à l'entrée de cellules immunitaires, mais aussi face finalement à des infections ou des agents pathogènes. Je voudrais juste préciser qu'en fait, ces méninges ne sont pas réservés au cerveau. On les retrouve aussi tout du long de la moelle épinière, donc qui est en continuité avec le cerveau. Alors là aussi, on va retrouver une organisation un peu particulière qui va limiter le trafic des cellules immunitaires. On a des vaisseaux sanguins qui sont présents dans la dure mère qui, eux, peuvent permettre le passage de certaines cellules immunitaires, notamment de lymphocytes, alors que dans la région sous-arachnoïdienne, on a vraiment très très peu, on va dire, d'extravasation de cellules de la circulation sanguine. Et de toute façon, au niveau de cette pimère, en dessous, on va retrouver cette glilimitance formée par les pieds astrocytaires qui confère elle aussi une protection et une barrière. Donc on retrouve un petit peu le même type de barrière le long des vaisseaux, mais de manière beaucoup plus structurée et beaucoup plus forte finalement au niveau des méninges. Et puis il y a un dernier endroit où il y a une frontière particulière entre la circulation sanguine et le cerveau. C'est ce qu'on appelle la barrière entre le plexus choroïde et le liquide céphalo-rachidien. Alors, n'ayez pas peur. C'est des mots un petit peu compliqués, mais on va y arriver. Donc, qu'est-ce que c'est que cette barrière? Qu'est-ce que c'est que le plexus choroïde? Qu'est-ce que c'est que le liquide céphalo-rachidien? On va présenter tout ça. Donc, le plexus choroïde, c'est une petite structure dans le cerveau qui, en fait, produit le liquide céphalo-rachidien. Alors, qu'est-ce que c'est que le liquide céphalo-rachidien? C'est finalement, on a des cavités à l'intérieur du cerveau qui sont remplies d'un liquide, le liquide céphalo-rachidien, qui baigne ces cavités ventriculaires. Et en fait, c'est un liquide qui est produit de manière assez permanente. On fait un demi-litre de liquide céphalo-rachidien par jour, c'est pas mal. Il y a de nombreux nutriments. Il y a énormément de choses dans ce liquide. La composition du liquide varie au cours de la journée et c'est un acteur aussi de modulation du fonctionnement du cerveau. Alors, souvent, on imagine les cavités. Donc ça, c'est une imagerie d'IRM fonctionnelle que je vous montre. C'est un système qui est assez vivant, hein, qui se déplace, qui perfuse le cerveau. Et en fait, ce liquide céphalo-rachidien va permettre de répartir différents composés, mais aussi, par exemple, des cellules immunitaires. Et c'est ce liquide céphalo-rachidien qui est en continuité entre les cavités ventriculaires du cerveau et des cavités présentes dans la moelle épinière que l'on prélève quand on fait une ponction lombaire pour aller regarder s'il y a une infection qui peut même être parfois au niveau cérébral, par exemple dans des cas de méningite ou d'encéphalite. Donc c'est un liquide qui est présent dans le cerveau et qui joue un rôle à différents niveaux. Juste pour préciser, en fait, c'est la circulation locale de ce liquide céphalo-rachidien est assurée par des cellules assez étonnantes qui bordent les cavités du ventricule, qu'on appelle les cellules ependymères, qui sont cellules multiciliées. Donc on a au sein du cerveau des battements qui vont coordonner la modulation, le déplacement du liquide céphalo-rachidien. Donc on a, au niveau du choroïde plexus, qui produit le liquide céphalo-rachidien, en fait, c'est une région où on n'a pas de barrière hémato-encéphalique. On dit que les vaisseaux présentent une fenestration, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette régulation particulière, et on va pouvoir avoir dans cet organe, par exemple, des lymphocytes qui vont sortir des vaisseaux et être présents dans cet organe. La barrière, cette fois-ci, elle va être assurée par les cellules épithéliales du choroïde plexus qui, elles, forment une barrière entre le choroïde plexus, ce fameux liquide céphalo-rachidien, et le reste du cerveau. Donc on a une région un petit peu particulière dont on va voir que ça peut être aussi un point d'entrée
pour des cellules immunitaires dans des contextes d'infection et d'inflammation. Je voudrais juste préciser qu'en fait, il y a d'autres organes qui ont comme ça un lien privilégié avec la circulation sanguine, qui ont un nom que je ne vais même pas prononcer parce qu'après corypsexus et liquide céphalo-rachidien, ça serait un petit peu méchant. Les organes circonventriculaires, allez, je vais le dire, qui peuvent être notamment dans l'hypothalamus et qui vont permettre aux neurones de sentir directement, par exemple, différents composés qui vont être importants pour réguler des fonctions physiologiques diverses et variées. Donc, on a différentes barrières. Et juste pour préciser, ce fameux liquide céphalo-rachidien, il est présent dans les ventricules, mais en fait, il est présent aussi tout autour du cerveau. Et on va le retrouver notamment dans l'arachnoïde, au niveau des lepnoméninges, où en fait, au travers de ces petits fibrilles, en fait, c'est uniquement du liquide céphalo-rachidien qui est présent et qui assure notamment une protection contre différentes, on va dire, différents coups ou différentes lésions et qui va permettre C'est une couche importante aussi dans les protections physiques face à des lésions. Donc le LCR, le liquide céphalo-rachidien, LCR, il est présent dans les cavités, mais il est présent aussi tout autour dans les méninges. Et on va même le retrouver de manière reliée un petit peu dans des espaces périvasculaires, on verra. Alors ça pose un petit problème, l'existence de ce liquide céphalo-rachidien un petit peu partout. Parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas, et qu'on en produit 1 demi-litre par jour, je vous ai dit qu'il n'y a pas de système lymphatique. Et il n'y a pas de système lymphatique dans le cerveau. Donc ça pose la question, finalement, de ce fluide, ce liquide qui est présent dans les cavités, qui est présent dans les méninges, qu'on produit en permanence. Il faut bien imaginer qu'il y a un système, finalement, de drainage. Il n'y a pas de système lymphatique. Donc, quelles sont les voies ou quelles étaient les voies de sortie, de drainage du liquide céphalo-rachidien qui sont considérées comme étant un petit peu classiques? Alors, jusqu'en 2015, donc l'idée, c'était que les voies de sortie, de collection du liquide céphalo-rachidien se passait d'une part au niveau d'une grosse veine présente ici, au niveau de la région qu'on appelle parasagittale. C'est le sinus veineux parasagittal qui est présent ici, dont je reparlerai dans les cours suivants. Et en fait, on sait qu'il y a des espèces de ce qu'on appelle des granulations de la couche arachnoïde, avec l'idée que le liquide céphalo-rachidien présent dans ces structures pourrait être drainé, partir, entre guillemets, dans ce sinus veineux et que donc le liquide pourrait être drainé, exfiltré, si on peut dire, par cette région. Il y avait aussi l'idée, et ça c'est une idée importante, et on sait que c'est aussi une voie de sortie, parce que je vous ai dit, il n'y a pas de système lymphatique dans le cerveau, donc ça posait la question de savoir comment est-ce que des antigènes présents dans le cerveau peuvent arriver jusqu'à des ganglions lymphatiques où il y aurait activation de l'immunité adaptative. Et donc, en fait, il y avait l'idée qu'au niveau vraiment du bulbe olfactif, qui est la région qui est juste au-dessus de l'épithélium olfactif, il y a une structure très particulière qui s'appelle la plaque cribriforme et en fait qui permettrait là aussi d'évacuer le liquide. Alors ici, CSF, c'est céphalo... cérébrospinal fluid, c'est l'équivalent du liquide céphalo-rachidien, mais sur les schémas, c'est parfois CSF, parfois LCR, vous verrez. Et l'intérêt de cette voie de sortie était aussi que dans la muqueuse nasale, là, il y a des circuits lymphatiques qui pouvaient permettre éventuellement de drainer des antigènes jusqu'aux ganglions lymphatiques. Donc deux grandes voies un petit peu classiques qui étaient reconnus jusqu'à il y a une dizaine d'années, qui sont toujours vrais, mais on verra que vraiment le schéma s'est pas mal complexifié. Donc, dans le cerveau, différentes barrières. Une barrière au niveau des méninges, qui est très forte et qui est physique aussi, et qui régule au niveau des vaisseaux sanguins dans l'arachnoïde l'entrée, une absence d'entrée de cellules immunitaires circulantes à l'intérieur du cerveau.
Une barrière hémato-encéphalique qu'on va retrouver tout le long des vaisseaux qui perfusent le cerveau, donc un système très particulier qui en même temps permet une grande perfusion, une arrivée de nutriments, d'oxygène, de macromolécules, mais pas de cellules immunitaires circulantes, et une absence de système lymphatique qui va être normalement dans tous les tissus important pour drainer le liquide interstitiel et apporter les antigènes ou les cellules de l'immunité innée jusqu'à ces ganglions lymphatiques. Alors on en était là en 2012 avec justement des questions en se disant peut-être qu'il n'y a pas de surveillance immunitaire du cerveau, alors qu'en fait toute une série d'expériences montrait qu'il y avait quand même une surveillance immunitaire, mais qu'elle devait être un petit peu différente. Et en fait, ce que je vais commencer là à vous présenter dans le dernier quart d'heure de ce cours, c'est un petit peu des avancées qui datent de 2012 sur la question du drainage. Comment est-ce que les liquides sont drainés dans le cerveau? Vraiment, alors là, on est dans de la tuyauterie. Et puis, on va voir que finalement, au cours des cours prochains, on va aborder différentes questions qui sont comment est-ce que finalement l'absence d'un système lymphatique dans les tissus peut être compensée par un autre système lymphatique qui est présent juste à côté du cerveau dans les méninges? Comment est-ce que ces méninges apparaissent de plus en plus comme un site d'interaction immunitaire qui est essentiel pour surveiller le cerveau, donc quelque part de déporter la surveillance du système immunitaire au niveau des méninges, et puis d'essayer de voir comme ça, comment est-ce que toute cette interaction, ces nouvelles interactions sont, encore une fois, certains travaux datent de 2021, 2022, 2023, pourquoi, comment est-ce que ces nouvelles interactions sont importantes dans des contextes physiologiques et pathologiques. Alors, je voudrais juste préciser que finalement, on peut aussi se demander pourquoi est-ce que ces découvertes ont eu lieu ces 10 dernières années. Et là, je voudrais juste souligner que véritablement, en fait, ce qui a permis une grande avancée dans l'étude de ce champ thématique est une espèce de convergence de plusieurs avancées, on va dire expérimentales, qui sont très importantes. Alors la première, c'est l'imagerie. On a fait des progrès en imagerie, aussi bien chez l'animal, où on peut aller maintenant regarder chez l'animal éveillé comment est-ce que différentes cellules, différents fluides, différents composés se déplacent, rentrent dans le cerveau, sortent du cerveau, etc. Chez l'homme aussi, des grandes avancées en imagerie fonctionnelle qui permettent d'aller vérifier que ces nouveaux résultats sont aussi validés chez l'homme. Une nouvelle capacité à aller regarder les différents types cellulaires immunitaires in situ. C'est-à-dire que pendant très longtemps, l'immunologie a beaucoup fonctionné sur un principe qui était le principe qu'on allait trier des cellules, séparer des cellules qui étaient présentes dans le tissu sans savoir exactement où elles étaient et étudier leurs propriétés. Donc il y a eu un bond de ce qu'on appelle l'immunologie tissulaire, là aussi en lien avec l'imagerie, mais aussi avec la capacité d'aller séquencer des cellules et de regarder vraiment où est-ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Des techniques de transparisation qui ont permis de marquer différents composés, de transpariser complètement les cerveaux ou les structures et d'aller regarder en 3D, avec un aspect tridimensionnel, comment est-ce que ces structures s'organisent. Alors, je vais juste commencer par vous parler de cette question du drainage, puisque finalement, dans le cerveau, il y a des fluides, il y a le liquide céphalo-rachidien, il y en a même beaucoup, il est produit, on sait qu'il y a des voies de sortie. Mais une vraie question, c'est est-ce qu'il y a un système de drainage? Et cette problématique du drainage est très importante pour tous les tissus, parce qu'il faut éliminer quand même les composés qui sont toxiques. Et dans le cerveau, c'est particulièrement important pour certaines pathologies, par exemple la maladie d'Alzheimer, dans lesquelles on sait qu'un des composés, qu'un des acteurs importants, c'est l'accumulation
du peptide amyloïde bêta qui va former des plaques et qui s'accumule à l'intérieur du cerveau. Donc la question de comment éliminer potentiellement des composés qui peuvent être toxiques à l'intérieur du cerveau était quand même une problématique assez importante. Et en fait, les premiers travaux qui ont vraiment permis de proposer ou d'imaginer qu'il pouvait y avoir un système qui assurait un drainage, même s'il n'y avait pas de système lymphatique présent, c'est des travaux du laboratoire de Michael Niedergaard qui a commencé à injecter, réaliser des injections chez l'animal, mais on sait maintenant que c'est vrai aussi chez l'homme, des injections, ça va ? Des injections dans le liquide céphalorachidien en différents endroits, injecter des composés qui vont avoir une taille différente et donc qui vont pouvoir diffuser plus ou moins à différentes vitesses dans différentes structures. Donc ce qu'ils ont vu, c'est que quand ils font une injection intraventriculaire, c'est-à-dire dans les ventricules qui contiennent le liquide cérébro-rachidien, et qu'on regarde 30 minutes après, on voit très très peu de diffusion des différents composés. Et quand ils ont fait une injection dans cette région où il y a ce qu'on appelle la cisterna magna, mais qui en fait va permettre de marquer très rapidement tout le liquide qui est présent dans les méninges, donc plutôt à la surface du cerveau, ce qu'ils ont observé, c'est qu'ils avaient assez rapidement l'apparition des différents composés qu'ils avaient injectés de tailles différentes, donc on voit qu'ils diffusent avec une vitesse différente, le long des différents acteurs, le long de la vasculature, le long des différentes artères, puis des capillaires, etc., etc. Et grâce à de l'imagerie qu'on appelle biphotonique, donc là encore, ça fait partie des progrès qui ont permis vraiment de faire des bons en avant dans l'étude de ce processus. Donc une imagerie biphotonique, c'est une imagerie qui va permettre d'aller vraiment regarder en profondeur dans les tissus chez l'animal éveillé grâce à un système très particulier où ici on peut voir quand on injecte un composé qui permet de marquer uniquement l'intérieur des vaisseaux, que ces vaisseaux sont très très vite marqués quand on fait une injection encore une fois dans cette partie du liquide céphalorachidien qui va ensuite aller dans les méninges et donc qui va se propager dans les vaisseaux qui rentrent dans le cerveau, mais qu'on a finalement des composés qui vont se retrouver à diffuser juste autour de ces vaisseaux ou de ces artères. Et on voit que c'est principalement, parce qu'on peut les reconnaître, les marquer morphologiquement, on peut voir que ce liquide qui donc rentre le long des vaisseaux est principalement associé aux artères et on peut voir une diffusion progressive de ces composés au cours du temps. Donc si on reprend les différents composés de ces artères, on voit ici qu'il y a donc ces différentes cellules qui sont accolées, mais on voit qu'il y a cette espèce d'espace périvasculaire dont je vous ai parlé, qui s'appelle aussi l'espace de Virchow-Robin, et qui est entre la vasculature et certaines cellules associées à la vasculature et ces fameux pieds astrocytaires. Donc en regardant plus en détail, ce qu'ils ont pu voir, c'est que effectivement, le liquide céphalorachidien ici présent diffuse ou en tout cas rentre dans ces espaces périvasculaires le long des vaisseaux, à côté donc des cellules murales des vaisseaux sanguins. Et quand on regarde, on voit qu'il est situé entre les vaisseaux et les pieds des astrocytes, vraiment dans cet espace périvasculaire. Et donc ça a ouvert une première voie qui était de se rendre compte que finalement le liquide céphalorachidien qui baigne les méninges peut rentrer le long des vaisseaux, donc en suivant la vasculature, dans cet espace périvasculaire et pourrait commencer à produire un espèce de système de filtration ou de perfusion du tissu cérébral. Alors, des études ensuite ont permis de montrer qu'en fait, cette capacité ou cette propriété de diffusion ou d'entrée du liquide céphalorachidien le long des vaisseaux est régulée par différents facteurs, comme par exemple aquaporine 4. On voit ici que cette entrée ne se fait pas.
et que, en fait, cette propriété, elle est régulée, aquaporine 4 est exprimée par les astrocytes, qui sont le long de ces vaisseaux sanguins, et qui vont réguler, finalement, le passage ou l'entrée du liquide céphalorachidien le long des artères. Alors, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des expériences qui ont été réalisées, mais ce dont on s'est rendu compte, finalement, c'est qu'il existe une perfusion le long de la circulation sanguine classique, on va dire, qui permet de perfuser avec donc ce liquide, qui permet de perfuser le tissu cérébral, une entrée le long des artères, une diffusion dans le tissu et une sortie qui donc suit les différentes veines et pourrait ensuite rejoindre, comme je vous disais, une des voies de sortie du liquide céphalorachidien, c'est les sinus veineux, qui peut suivre et aboutir à cette voie de sortie au niveau des différentes veines. Et ça permettrait finalement de drainer le tissu cérébral et, par exemple, d'enlever, de diminuer la présence de différents composés qui pourraient être toxiques ou qui pourraient être délétères dans le cerveau. Alors, ce système a été baptisé système glymphatique, parce qu'en fait, il assure une fonction lymphatique de drainage, mais en même temps, ce ne sont pas des cellules lymphatiques. Les cellules qui assurent ce système sont des astrocytes, donc des cellules gliales, d'où le nom glymphatique. Alors, si aujourd'hui, c'est largement accepté qu'il existe ce flux, que les astrocytes sont des acteurs clés de la régulation de ce flux, il y a encore beaucoup de controverses autour de ce système glymphatique. Est-ce que c'est un système dynamique? Est-ce que c'est un système régulé? Est-ce que la sortie est régulée, etc., etc.? Mais néanmoins, ça permettait, ouf, de se dire qu'il y avait quand même un drainage du cerveau important. Ça a aussi apporté une nouvelle vision ou des nouvelles questions sur l'élimination de certains composés. Notamment, je disais, ce système glymphatique, on s'est rendu compte qu'il était moins efficace au cours du vieillissement et qu'il était particulièrement altéré dans des contextes pathologiques, encore une fois, comme des contextes de la maladie d'Alzheimer, où on a une accumulation de peptides amyloïdes bêta et qui peuvent limiter en fait, le fonctionnement du système glymphatique, mais également aussi expliquer le fait que ces composés, ces plaques, s'accumulent au fur et à mesure du temps à l'intérieur du cerveau. Donc une sorte de cercle vicieux. Ouh là là, j'espère que ça va. Donc on se retrouve un petit peu avec cette vision, là où on en est, qui est que finalement, contrairement à la plupart d'autres tissus, on a une organisation qui est très différente. On a des barrières tout autour de la circulation sanguine, qui vont limiter l'entrée de beaucoup de cellules et de beaucoup d'acteurs. Ça permet donc d'enlever ou de ne pas avoir des cellules immunitaires qui sont présentes dans les tissus. On a aussi une absence d'un système lymphatique, mais heureusement, si j'ose dire, on a un système glymphatique qui déjà permet de drainer certains composés cellulaires, certains fluides, certaines macromolécules, notamment le peptide amyloïde bêta, et qui va permettre d'amener tous ces composés vers un système veineux et donc assurer un drainage du cerveau qui contient le liquide céphalorachidien et une grande quantité de liquide interstitiel. Alors ça ne répond pas à la problématique de la surveillance immunitaire. Comment est-ce que les composés, les cellules arrivent dans les ganglions lymphatiques ? Donc, je vous ai dit, pour l'instant, ou jusqu'en 2015, l'idée, c'était qu'il y avait des circuits lymphatiques, des vaisseaux lymphatiques au niveau de la muqueuse nasale, ce qui est toujours vrai, et que c'était le principal site de sortie des différents antigènes pour aller vers les ganglions. On va voir la semaine prochaine qu'en fait, on a découvert très récemment, à partir de 2015, qu'en fait, il y a un système lymphatique méningé. Donc un système lymphatique qui est dans les méninges et qui va être absolument essentiel pour réguler le trafic des cellules immunitaires, le drainage des différentes cellules immunitaires, les interactions immunitaires
dans ces méninges. Et donc, on abordera ça au cours du deuxième cours pour essayer de vraiment comprendre en quoi le système lymphatique méningé, qui encore une fois vient d'être découvert, comment est-ce qu'il participe à la physiologie du cerveau, à l'activation des cellules immunitaires et à la régulation, la surveillance du système immunitaire, du cerveau par le système immunitaire. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser et à discuter. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.